Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important où il faudrait mettre un gros warning je pense dans la tête de tout à chacun, de tous ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo. Faites très attention les gars, puisqu'aujourd'hui on va parler de fraude, de sites à éviter et surtout de ne pas vous faire berner par tous les vendeurs et marchands de tapis que vous voyez sur les réseaux qui vous promettent mondes et merveilles et skins. Alors pour obtenir des skins, je sais qu'il peut être tentant de se rendre sur des sites de skins gratuits, mais ceux-ci sont des arnaques, les gars. Il faut pas vous faire avoir. Alors, le principal truc stylé sur Fortnite, je suis d'accord avec vous, c'est les skins, les accessoires de dos, pioche, cap, voilà. Tous les trucs comme ça qui permettent de customiser à l'infini vos personnages pour jouer sur Fortnite Battle Royale et du coup être différent et être un peu genre le meilleur joueur du monde. Même si ça change rien, je suis d'accord avec vous. Le skin, moi, pour moi, c'est vraiment... un truc qui va au-delà de, du jeu, c'est vraiment juste pour faire joli quoi. Et ça sert à rien. Alors, ces skins sont payants et achetables dans la boutique. Et surtout les gars, et généralement en échange de V-Bucks, qui est la monnaie virtuelle de Fortnite. Alors, pour acheter des skins, il n'est pas forcément que les V-Bucks, puisque vous pouvez acheter avec de l'argent, vous savez, les packs, etc. Mais pour tout le monde, il est parfois tentant de se tourner vers les sites de skins gratuits. Vous voyez, et vous dites même avant, waouh, ça a l'air de vraiment fonctionner. Mais les gars, la plupart du temps, et surtout, c'est de l'arnaque. Un site d'arnaque de skins gratuits le plus connu dernièrement, c'est New Free Skin. Eh bien, ils sont parfois chers, etc., ces skins, mais dites-vous bien qu'il ne sert à rien d'aller vers ces sites-là. Alors... il est possible que vous loupiez le skin de vos rêves sur la boutique, hein, et tout ça, bah, par exemple, parlons de Renegade, parlons de la Recon, parlons de plein de choses comme ça, que même moi je n'ai pas eu accès tout au début du jeu, mais les sites de skins gratuits comme Free Skins, ce sont des sites complètement d'arnaque, les gars. Et il existe, écoutez bien, aucun site, aucun, je le répète, aucun site permettant d'obtenir des skins sur Fortnite gratuitement et même payant. Donc aucun site. La seule chose que vous devez savoir, c'est que les gars, la seule manière d'avoir des skins et de les acheter de manière totalement légale sur Fortnite, à l'aide des V-Bucks et sur le site epicgamesofficiel.com quand il y a des choses genre des promotions, codes promotionnels et des choses comme ça. À part ça, les gars, rien du tout. Alors, ces sites sont donc des arnaques et auront peut-être et pour unique but de récupérer vos informations de connexion, les gars, pour justement vous hacker. Donc, soit par exemple, vous avez 500 V-Bucks, ils vont vous hacker et ils vont envoyer des avec justement vos 500 V-Bucks, par exemple, une danse sur leur compte principal. Et du coup, vous, à la recherche de skins, vous êtes fait en plus de ça, bah vous avez rien et en plus, vous perdez le peu de V-Bucks que vous aviez déjà d'avance. Alors, du coup, il est donc fortement, et là, c'est là où je vous dis attention, hein, fortement déconseillé, voire absolument prescrit, d'utiliser ces sites là, même si c'est juste pour aller regarder, hein. Parce que parfois même tout ce qui est adresse IP, tout ce qui est genre mail et tout ça, Google et tout, parfois les mecs sont tellement forts qu'ils arrivent à vous prendre quand même vos informations. Donc ne rentrez surtout pas vos informations personnelles, vos téléphones, vos mails, vos mots de passe et tout ça, vous risqueriez de perdre votre compte et de perdre vos skins, du coup cosmétiques et surtout votre argent et expérience en jeu sur Fortnite Battle Royale. Donc les gars, le petit résumé que je vous fais en gros, c'est que moi, pour avoir mes skins, pour avoir mes V-Bucks, etc., au début j'ai acheté 9,99€ comme tout le monde je pense, le premier pass c'était à la saison 3. Depuis ça, il y a plein de concours en ligne sur les sites officiels, c'est-à-dire sur Fortnite France officiel, sur Fortnite tout court officiel, où il y a parfois des concours où vous pouvez mettre vos clips et gagner des V-Bucks. C'est là en partie où j'ai gagné mes V-Bucks. J'ai gagné plusieurs concours, j'ai été nominé pour plusieurs autres concours, et c'est là où je me suis fait mes V-Bucks pour me faire plaisir. Mais si ça n'avait pas fonctionné, je n'aurais pas eu de skins, j'aurais pas investi d'argent, etc. Mais le seul moyen pour moi, à part ça, d'avoir mes skins et de me faire plaisir, ça aurait été d'acheter des V-Bucks officiellement sur le jeu, les gars. Donc, dites-vous bien que soit vous allez dépenser beaucoup d'argent, soit tout ce qui est site gratuit, c'est vraiment des grosses arnaques. Donc faites très attention parce qu'il y en a certains, je vois dans mes commentaires vidéo, qui me disent ouais, je me suis fait hacker mon compte, ou genre j'ai perdu mon skin tel, ou j'ai... Pourquoi? Parce que les gars, il faut savoir que si en plus, si par exemple vous avez des revendeurs qui fonctionnent, donc des gens
qui vous revendent un skin, vous savez, soi-disant, parce que vous allez payer en PayPal et des choses comme ça, sachez une chose, même ces choses-là, c'est considéré comme de la fraude et vous allez perdre, si ce n'est pas directement, vous allez perdre sur la durée le skin qui vous a été acheté. Puisque Epic Games sont en train de faire un truc, là ils sont en train justement de voir quels skins ont été achetés frauduleusement par PayPal, etc. et qui n'ont pas été achetés directement sur le site officiel Fortnite pour justement faire rembourser entre guillemets et récupérer ces trucs là sur les comptes frauduleux. Par exemple, on avait vu ça avec le skin Galaxy et tout. Donc faites attention les gars, faites tout dans l'ordre. Si vous avez envie d'acheter un skin, achetez-le directement sur le site Epic, sur les sites marchands, Micromania, etc. des choses officielles. Donc voilà le petit message du jour, j'espère que vous allez faire attention les gars, que vous n'êtes pas fait arnaquer pour l'instant. Et j'espère que vous avez kiffé ce que je vous dis. Donc voilà, en tout cas n'oubliez pas les gars, le concours 7500 E-Bucks est encore en cours. Dans quelques jours on va faire ça, sûrement mercredi. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, max de likes, code créa, Telmo-Lopez. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.